Hello, bonsoir. Alors, je suis largement en retard sur l'horaire, que je sache. Normalement, forcément. Mais j'y pouvais rien, en vérité. Enfin, si j'y pouvais quelque chose, mais j'étais occupé à autre chose. J'ai eu la chance de pouvoir essayer. Ouais, c'est fort! Pouvoir tenter de me colorer une partie des cheveux et ça a foiré parce qu'il faut que je décolle ça, il faut que je décolore, que je blanchisse mes propres cheveux avant. D'accord. Et donc voilà. Donc on jouera pas à Spider-Man. Putain, enlève la souris quand j'active la manette, connard. On pourra pas, on jouera pas à Spider-Man ce soir, finalement. On va faire du Resident Evil, on jouera à Spider-Man demain à la place de Resident Evil. Parce que du coup, bah, il est en train de s'installer sur la console. Donc voilà. On va relancer là où on en était, dans la campagne de Chris. Voilà, chapitre 2. Je vais essayer d'aller le plus loin que je peux et j'essaierai de terminer d'ici la semaine prochaine. Voilà. Donc on y go tout de suite et puis basta. Écoutez-moi. Alors bon, du coup, tout ça, on l'avait vu la dernière fois. Terrorisme. Et je on peux pas pourra y arriver. skipper. Ah, si, je peux. On va skipper, on l'a déjà vu. Ok. Tire ennemi, équipage va tirer. Je touche des troupes, ne pas. Ripostez. QG, répondez. On essuie des on tirs en deux cœurs. On tire sur l'ennemi. Bien reçu. Faites attention à ces super soldats. Ah, des super soldats. Ça reste du bioterrorisme. Équipe Alpha à vous. Oh putain. Nos unités sont trop peu nombreuses maintenant. Wow, attends. J'ai peur que nous ne puissions pas vous aider. Ah ouais, ils sont affectés par un truc. De toute façon, il prend des balles dans le corps et c'est pas normal. Il a un bouclier. J'ai pas de grenade, j'ai une flash par contre. Sa carapace en plus. Oh putain. J'avais pas anticipé ce choc là. Je peux juste regarder. Ah voilà. Ah ouais, attends. En vrai, c'est pas mal comme façon de faire.
tôt, le bâtard. J'ai envie de le fight. Ça marche pas des masses. Oh, j'ai une bonne réaction là. Tiens, tiens. Voilà, la tête. Écraser la tête. Comme ça, il se relève pas, ce bâtard. Ça a une mission. J'en ai récupéré ce truc, ouais. Oh, ça me dit un truc, j'ai déjà vu quelqu'un le faire ça en partage sur Discord. Enfin, je me souviens de ce monstre et de la partie du gameplay, pas du gameplay complet. Je savais pas qu'on allait d'ici gros. Il y a combien de nouvelles espèces? Ah, je peux bouger, putain, j'étais en train d'écrire. Ok, on lâche le téléphone et on se barre. Le jeu, c'est pas sympa ça. Je sais pas quoi faire. Je dois attendre. Non, ouais, je devais attendre. Finn, une grosse arme biologique est à notre trousse. J'ai besoin du véhicule blindé, vite. Je me débarrasse de ça. Est-ce que ça c'est contrôlé? Est-ce qu'il est contrôlé ou est-ce qu'il se contrôle lui-même et qu'il sait dans quel camp il est? Jusqu'à l'arrivée du véhicule blindé. Bah c'est génial. Ouais, là il va agresser dans le mur. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc en vrai j'ai juste à courir tout autour de la carte, récupérer le plus de ressources possible en évitant le géant. C'est moi qui course en plus. Ah, c'est un cul-de-sac ça. Ok. J'ai du soin. Non, j'en ai pas sur moi. Alors que j'entre. Il y a une pièce là. Alors, je sais pas si les escaliers là où je me trouve, c'est pas genre une espèce de... Ouais, non, j'ai... Alors par là je peux aller, il y a une entrée. Il balaye le sol. Ah, ça rentre pas. Mais il casse les couilles. Pourquoi est-ce que tu mets une porte comme ça si je peux pas passer? C'est pas juste. Ah, y a rien. Je vais m'écraser. J'ai rien à faire en vrai. Il doit y avoir un truc à faire. Il a dû lui tirer dessus là. L'espèce de poche sur son dos là. On peut mettre un point dans le mur.
ça, je vais me faire puncher. Ouf. Ah, je crois que j'aurais pu lui sauter dessus à partir de l'autre côté. Mais à mon avis, ça me prendrait trop de temps d'y aller. Voilà le blindé. On est bloqué par une arme biologique. Changer d'itinéraire, passer du 1 au 4. Ces choses étaient énormes. Je savais pas qu'elles pouvaient être si grosses. On leur donne des nouveaux trucs. Ils peuvent créer tous les monstres qu'ils veulent. Je passe poser, me monter dans le blindé. Je sais pas. Le véhicule est détruit. C'est un drôle ça en vrai. Le véhicule est détruit. Pas génial du coup. Ah je me cache pas derrière. Pourquoi il s'est pas caché derrière la barricade? Pas juste que le jeu m'en trouve pas. C'est pas très fair play. Ouais, je vais mourir. Il est bien mort.
folie, on va être folle vie au moins. Il n'y a pas de coller. Capote encore, elle va revenir, t'inquiète, ça faisait ça la dernière fois. Vite, viens ici, fais sauter cette barrière. Un wagon nous bloque le passage, on pourra pas passer. Je vais faire sauter le wagon. Couvrez-moi pendant que je m'en occupe. J'arrive pas à bien tirer. Alors, ça j'aurais dû poser largement. Oh le headshot. Je tue pas, mais c'est pas grave, c'est stylé. Vas-y, descends.
combien de temps encore? Mais me fais pas semblant, t'as déjà monté, tu peux descendre. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai appuyé sur la touche pour frapper. Ça va bientôt sauter. Planquez-vous. C'est chez moi, sérieux. Oh mais je suis trop libéré le bonus là. Avec le mur, connard. Ça mais donne-moi des objets de soins. Super, j'ai regagné un carré grâce à la cinématique. QG Alpha, l'hôtel de ville est de l'autre côté du pont. Allez-y avec l'équipe Bravo. Quelle est la situation? Vous êtes blessé? Il y a un homme à terre sur le pont. Il y a un tank sur le pont! Il bloque le passage! Ok les gars, la priorité est de récupérer le blessé. Faites un tir de suppression sur le côté. Sniper, tous en position. Il est un peu plus loin, gravement blessé. Faites-le sortir. Bien reçu, je pars devant. Mais tu crois que je fais quoi? J'ai une dette envers toi. Comment va le blessé? Il est toujours en vie. Je vais lui donner les premiers soins. Équipe Alpha, répondez. Un vieux tank T-42 arrive vers votre position. On dirait qu'il a été modifié. Il nous cherche un petit vélo. Faites très attention. Plus puissante. Capitaine, si vous déviez le tank, je peux m'occuper de ce camion. Mais ça, j'imagine. Ah ! On y va !
mais le tank est mort. Ah putain, je l'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était retourné. Oh mais là je vais mourir parce que je pourrais pas rejoindre Pierre si je vais crever. Quand il se relève tout seul après ça. Avec Elena, à chaque fois que j'arrivais au bout de la barre de cette barre là, je crevais tout court. Équipe Alpha, répondez. Un vieux tank T-42 arrive vers votre position. On dirait qu'il a été modifié. Une sorte d'artillerie lourde. Faites très attention. Il se tire par le canon. Eh, cours! Il faut une arme plus puissante. Capitaine, si vous déviez le tank, je peux m'occuper de ce camion! Alors. Je vais grimper au sommet du pont. Retrouvez-moi là-haut. Wow, pas à travers les murs, fils de pute. C'est quoi ce monstre encore? Blindé, je peux rien faire. Je tirerai pas dessus pour rien. Sécuriser ce pont jusqu'au retour de Finn. Merci. Alors, c'est des alliés, ça, des ennemis aussi.
des ennemis. Pourquoi ce serait des ennemis? J'ai rien en plus. Ah putain. Charge. Ok, on se met au boulot. Il faut qu'on bloque tout leur renfort. Faites sauter le pont. Oui, chef. Je commence à placer les explosifs. Ça finira jamais. Ok, fais vite. Charge! Finn, à toi de jouer! Bien sûr!
dernière minute, c'est vraiment attendre le dernier minute. Vous avez eu chaud. Non. Ça va être le fight, j'imagine, contre le gros bébé de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il voudrait. C'est pour ça que le jeu me met un possible partenaire. Et je vais jouer tout seul. J'ai pas d'amis. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui fassent le jeu en même temps. Ah, shit. Chérie Birkin, vous étiez à Raccoon City. Comment vous savez ça? Claire. Léon. Ah, Claire, pardon. Quoi? Ah, c'est vrai, c'est sa sœur. Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Chris, c'est un insurgé recherché. Oh. Oui, c'est un mercenaire, mais il est sous la protection du gouvernement américain. Il ne menace pas le BSAA. Sauf si on paye pour le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, j'ai vu le début de cette histoire-là aussi. En fait, le fight contre le gros bébête, c'est de leur point de vue que je l'avais vu, je crois. Quoi? Ils jouaient tous les deux. QG à équipe Alpha. Les renforts sont dans l'impossibilité d'atterrir à cause de la DCA. Abattez-la. Reçu 5 sur 5. Bon sang. Le radar détecte un énorme signal. Il se dirige vers vous. Ouais, le voilà. Ah, je sais pas si c'est le même. Mais il y en a un autre. Il y en a un là. J'imagine qu'ils sont pas contrôlés vu comment. L'hélicoptère le largue. On pourra discuter plus tard. Alors pourquoi exposer son point faible par contre? Tout dans son dos. Faut qu'il soit sorti pour que le machin fonctionne. Ok, Cassos. Ces trois canons anti-aériens nous empêchent d'approcher. Bien sûr, Echo. On s'en occupe pour vous. Alors, je vais par là, mais je sais pas. Hein. Il semblerait que ce soit un cul-de-sac. La première cible est là-bas. Chris, on va vous aider. Mais saute pas les barrières, connard, et avance en ligne droite. Allez vous abriter. Vous en faites pas pour moi. Je peux me débrouiller et vous avez besoin d'aide. Ça c'est clair. Je crois que mes chances de survie étaient plus élevées quand j'étais mercenaire. Ah ah ah. Salut. Alors, il est là. Je sais pas si ça a marché. Je suis trop bête. Là. Bien sûr.
forcément. Mais c'est une blague. Bref, moi. Mais... d'en venir. Laissez-moi lutter la zone. Putain, mais ils sont chiants. Je pose des explosifs sur les canons antiaériens. Ça risque d'être long. C'est pour ça que je peux aller. Ok, faut que j'empêche la grosse créature de buter l'autre gars aussi. C'était suffisant. Je ne serais pas attendu, tiens. Est-ce que j'imagine que je peux faire genre 3 fois de chaque côté. Si je me trompe de côté, ça marche pas. Encore quelques minutes. T'as pas un sprint? Ils sont posés. Laisse tout le monde recule. Là d'avance la porte, enfoiré. Mais tu sors. D'échelle. Je pose des explosifs sur les canons antiaériens. Ça risque d'être long. Essayez de me couvrir. Encore quelques minutes. Coincé là-bas. Je passe de ce côté-là. Seulement les PNJ peuvent les faire. Enfin, les personnages jouables en tout cas. J'ai le contré. Je savais même pas que je pouvais faire ça dans le jeu. Elle est où la trappe pour le sang? Bon travail Alpha, encore un canon. Il y a une autre arme biologique géante qui se dirige vers vous. Ouais, là on est coincé. Celle qu'on a perdu aux deux cœurs. Ouais. Alpha, préparez-vous à tirer. Allez, je vous guide. C'est quoi ça?
Ah ok, attends. Le passage souterrain était ailleurs. Allez, lève-toi. Dans la tour. Putain, c'était pas clair ça. Je l'avais pas vu. Encore une fois, la putain de porte aurait pu ouvrir direct. Histoire de nous sauver du temps. C'est sympa de donner ça, mais de jamais donner d'herbe verte. C'est vraiment cool quoi. Ça se trouve j'en ai dans mon inventaire, je suis dans le vent, je l'ai pas vu. Bah j'ai pas ouvert l'inventaire en vrai. Ouais voilà, c'est un connard. Je suis juste un connard. Via le souterrain, je sais pas trop où se poser sortir par contre. Vas-y, tire dans le mur, espèce de con. Ah non, il y a un espace. J'avais pas vu. C'était peut-être ça la sortie en fait. Il m'a donné un checkpoint en plus quand je suis sorti là-bas. Donc en vrai, c'est peut-être là qu'il fallait aller. Ah merde, je ressorte le point faible d'abord. Non, il n'y a pas besoin de le sortir pour qu'il fonctionne. Du coup, pourquoi est-ce que Coco se casse le cul à le faire? Aïe. Ah, j'ai pas sorti l'échelle pendant que j'étais en haut. J'avais pas capté que c'était là. De toute façon, il est en train de faire péter les trucs. Donc...
fois que ça aura pété, ce sera fait. C'est ça que j'ai ramassé tout à l'heure, en fait, le premier que j'avais affronté. J'ai donné les coordonnées au pilote. Merci beaucoup pour votre aide. Hey. Hey. On se connaît? Je sais pas, vous avez tous la même gueule pour moi, désolé. Pour qui il se prend? Je dois me tromper. Je vous souhaite bonne chance. C'est de la folie de le laisser partir. On a perdu combien d'hommes à cause de mercenaires comme lui? C'est pas notre problème. On se concentre sur la mission du BSA. Effectivement, bien dit. C'est pas nos affaires. Combattre le bioterrorisme. Ça va, je sais pourquoi on est là. Merci. Alors, pendant la cinématique, je suis passé sur la console pour checker l'installation du jeu est terminée, je pouvais le lancer. J'ai éteint la console, je vais continuer le live Resident Evil quand même. On passera sur Spider-Man demain. Et j'en ferai autant que je pourrai. Autant que mon système pourra en encaisser. Du sol au plafond. J'ai plus le droit de courir. Ça, c'est chiant. Ce sont des humains? Je détecte des signes de vie. Ils sont comme dans des cocons. Qui est là? Tirer Raccoon City. Attends. Par ici! Je détecte quelque chose de l'autre côté! Le hall, on dirait Bears, le hall Finn, du, venez avec moi. Du commissariat. Les autres, continuez de fouiller. Un petit peu. QG, nous nous éloignons du groupe. Nous avançons dans le bâtiment. Ou alors le manoir du 1. Je peux le casser à la main, ça? Non, je suis trop. Décolle-toi du mur, connard. T'es plein mieux dans le couloir. Si tu veux que ça fasse de se coller à cet endroit précis. Bruit de viscosité. Bien sûr. Ada? Complètement elle. Ouf! C'était complètement Mademoiselle Ada Wong. Nouvelle arme. Un fusil à pompe. Mais oui. Merci. Tellement une arme de macho ce truc en vrai. Enfin, du moins ça en a la réputation. D'arme de bonhomme là. Ça fait une petite heure que je suis assis depuis un moment. Je vais me lever pour me dégourdir un peu les jambes et en profiter pour l'autre.
fais une petite pause. Excusez-moi. Oh non, tiens. Je vais laisser les animations de Chris. Je mets l'écran de pause et je reviens. C'est bon, re... Ah. On y va, on continue. On va chercher Ada. Chris, est-ce que Chris la connaît? Léon, on a peut-être parlé. Léon a peut-être parlé d'elle en vrai. Putain de merde. Version miniature, super. C'est... On dirait pas Hunter. L'un d'eux est en train d'éclore. Prévenez le sujet. Merci. Oh, non pas du tout, c'est des versions miniatures. Oh, il est solide comme un caillou. Toi. À mon avis, il a une animation qui de course. Et l'astuce, c'est celle-là. Vas-y, rush-moi dessus. Je suis sûr que c'est ça. J'aurais parié dessus. Non, pas dans le mur. Pas dans... Ah, le pilier est déjà cassé. Dans celui-là, alors. Il est trop proche. Il faudra pas déclencher. Il y en a deux. Ça expose sa peau. Ah, dommage. J'ai plus trop de temps à réagir. Trop de temps de réaction à me rendre compte qu'en fait, en étant par terre, je pouvais encore tirer et essayer d'éliminer au moins le premier. Donc,
je peux les faire se collisionner l'un l'autre en fait. Aussi. Ok. Donc ça va avec l'or. Pas skipper. L'un d'eux est en train d'éclore. Prévenez le QG. Bien sûr. C'est la collision avec l'autre qui l'a... sur la partie sensible. Maintenant qu'il est explosé, je peux peut-être le collisionner dans le mur. C'est ça la strat, maintenant qu'il est explosé. Là peut-être ça va peut-être marcher. Non ça marche pas, c'est pas ça la strat. Nos pistolets.
box. C'est pas une bonne idée, mais je sais pas comment lui enlever son armure autrement. C'est comme ça que j'avais réussi tout à l'heure. Ah, super ça! J'ai encore une plante rouge en plus, normalement. Moins cool. Ça, c'est sympa. Ça j'avais fait en fait, je l'avais cassé au fusil à pompe. Et t'imagines devoir le finir au couteau. C'est moi la cible tout le temps. J'en ai plein là. On est dans l'hôtel de ville justement. Ok, comment je fais pour explorer le fameux hôtel de ville du coup? Arme biologique cernée. Fouillez tout le bâtiment, mais restez sur vos gardes. Shit. Derrière nous, devant nous les... Enfin, il y en a un qui est passé derrière, j'ai pas compris. Je l'ai pas suivi, je l'ai pas vu. Ouais, tant pis. J'ai pas avancé. Bouffe ma claque. Yes.
quelqu'un qui a pris un multishot là. Ça doit faire un sacré buzz. Capitaine. Ou alors c'est plusieurs personnes qui en ont pris une chaque. Le virus c'est. La voilà. C'est comme ça que l'appellent les guerriers. Contente de voir arriver la cavalerie. Qui êtes-vous? Je travaille ici. Je m'appelle Ada Wong. On me retenait en otage. Le virus C. C'est ce qui doit créer ces Javo. Oui, je les ai entendus. Ah, il la reconnaît pas. Qu'est-ce que vous avez? C'est vrai qu'il a pas sa mémoire. Peut-être pourriez-vous commencer par laisser les armes. Donnez-nous une bonne raison de le faire. Ah. Neo Umbrella. Oh oh. Neo Umbrella. C'est eux qui soutiennent les guerriers. Officiellement, ils se présentent comme une organisation. Et donc le virus C viendrait d'eux. C'est tout ce que je sais. D'accord. Merci d'avoir coopéré. Finn, je te charge de veiller sur elle. Rien, chef. Il va se faire berner solide, le pauvre. Gardez un œil sur elle. C'est compris. On a trouvé une employée. On se dirige vers le hall. Venez, joue avec je nous. Vais vous montrer comment retourner de l'entrée. Oh oui, merde. Merci l'exploration. J'arrive pas à me trouver une position pour jouer de manière confortable, en fait. C'est un peu chiant. Putain, je viens d'avoir une envie de... En fait... Merde, oh putain. Fuir. Faut fuir. Le hall est trop dangereux. Ada, elle se bat même pas. Juste, elle recule. Il y a une sortie au premier étage. Je pense qu'on devrait l'utiliser. Je viens d'avoir une envie de fou, là, de m'installer un projecteur. De foutre le projecteur au plafond. Enfin, orienté vers le plafond. Et de jouer, genre, couché dans le... Vos amis ont des difficultés. Ce serait fou. Madame, laissez-nous faire notre travail. J'ai pas le choix. Oh, c'est pas le même. Oh là, oh là. Why? J'ai pas ramassé le tronc. Oh, je prends des coups pour rien parce que je regarde mon inventaire. Mène à l'entrepôt voisin. On peut sortir par là. Je l'ai glitché. C'est bon. J'imagine que c'est le cadavre du monstre qui pose des problèmes à son modèle 3D. Là-dedans, je vais relever ça et je vais essayer de mettre ça en dessous de la place. Oh, c'est pas si mal. Oh, c'est pas si mal. C'est plus. Ouais, mieux, ça fait moins mal au cul. C'est pas ceux-là auxquels je pensais, mais oui, il y en a aussi, du coup. Visiblement. Je pensais à eux, là.
enculé. J'ai pas le temps de les buter. Si on se dépêchait juste d'avancer, au pire. Ok, la porte elle est pas ici. Ici. Elle doit être. On sera bientôt sorti. Passage doit être plus haut. Ah non. Tenez bon les gars. Oui chef. Oui chef. On va les perdre. C'est pour ça que quand il la revoit, merci. Il tire dessus direct. Voici un petit cadeau pour vous souvenir de moi. Quoi? Mais pourquoi? Non, mon sang, non! Ah, qu'est-ce que ça peut être une connasse quand même. Partir. Sauve-toi! Il y en a trois, vous êtes dans un espace restreint! Je devrais justement attendre pour avoir Kevlar. Les autres s'améliore pas malheureusement. Puissance d'attaque contre les zombies. Qu'est-ce qui est un zombie dans ce jeu? Ah non voilà, les javots, les zombies. Tout dépendamment de la campagne, ils t'affrontent pas la même chose. Peine de mort. Augmente grandement la puissance de votre tir. De votre dernier tir. Ça peut être bien. Mais du coup. Ouah, c'est chaud de la. C'est cher à améliorer.
spécialisation. Laisse tomber plus d'objets. Ça c'est facile en vrai. Je pense que je peux le remplacer. Enfin, les évasions sont faciles, ça dépend du monstre j'imagine, mais... Là, c'est pas trop difficile, j'ai pas trop de misère même sans le bonus avant. Voilà. Ils sont revenus pour tout brûler. On est déjà en Chine, en fait. Chef. Qu'est-ce qui est arrivé à Dawang? Ah oui. Vous vous souvenez? Capitaine. Où est-ce qu'elle est? Elle dirige Neo Umbrella. Tous ces terroristes. Elle est dans cette ville ou pas? On l'a vue plusieurs fois depuis le début des attentats. Oui, elle est ici. Dites aux hommes que nous partons. Il part en vendetta, lui. Alors... Bien, chef. Est-ce que... J'ai plus la mémoire des dates. Est-ce que ça, c'est... Le diable t'emporte, Wong. Est-ce que ça, c'est après... l'espèce de... Le prologue? Ou est-ce que c'est après... Après le passage qu'on a vu il y a pas longtemps, qu'on vient de vivre. Ou est-ce que ça c'est après l'explosion du bâtiment qu'on a vu dans l'autre? Ouais, il y a invisible. C'est pas juste. À moins que ce soit un bug d'affichage, mais il est invisible. Alpha, QG, on engage un ennemi. Pierce, Marco, tous avec moi. On va attaquer cette chose. Vous l'avez entendu? Ouais, non, on est dans... On bouge dans... On n'était pas en Chine, enfin, je sais pas si on était en Chine tout à l'heure. Mais en tout cas là on y est, et c'est clairement le moment où est-ce qu'on a sauté du bâtiment qui a explosé. Parce qu'on a shooté dedans au... à coup de missile. Enfin, je dis clairement, j'en ai aucune idée en vérité, mais ça y ressemble beaucoup. Shotgun dans les poches d'un cadavre entre les deux. Alors si ça c'est pas creepy, sauf pas pourquoi je peux aller dans l'air de jeu, parce que il y a un succès. Non. Le faire là, je peux le faire que sur le jaune. Y a pas de succès. Peut-être est-ce que je dois interagir avec chaque petit jeu. C'est la cata, y a des attentats. Chris Redfield joue dans une aire pour enfants. Pourquoi le panda il est... c'est quoi cette pose? Ça me dit quelque chose de voir le personnage assis comme ça. De cette façon. Pourquoi le panda il est vers le haut et pas vers le bas? Pourquoi est-ce que je m'assis sur son ventre et pas sur son dos? Alors, il y a peut-être un ordre. Après avoir fait le panda, je vais dans le toboggan. Je suis sûr qu'il y a un succès à force de faire ça. Peut-être faut le faire un certain nombre de fois. Là-dedans aussi. Non? Je peux pas entrer sous le jeu? Non. Bon écoute. Je suis persuadé qu'il y a un succès à faire avec ça. Mais j'ai pas les quantités, disons, et ce qu'il faut donc. Tant pis. Ah mais c'est sympa, dis donc. Des taches de sang. Comme c'est accueillant, n'est-ce point? Et puis la ville s'empile sur elle-même. Sympa ça pour un serpent.
Chef, on entre. Soyez prudents. Oh non, j'entre pas. Je tourne. Je casse les caisses. Ah oui. Ok, il n'y a rien d'autre à péter. On y va. Passe là. Je ne peux pas passer la barrière. D'accord. Si tu veux. Moi je devrais me faire un truc avec un bonus de dégâts sur les javots pour Chris et faire un truc avec des bonus de dégâts sur les zombies pour Léon. Bah pour l'instant Léon se bat contre les zombies. Chérie, je pense qu'elle va avoir les deux. Et Ada aussi. Ou alors Ada elle va se balader sur les. Ça va être les humains. Ah bien sûr. Non mais vas-y, on s'en va. Les persos suivront. Ah, ils sont remontés, je m'attendais pas à ce qu'ils nous suivent à ce point là. Oh putain, encore un autre. Encore ! Oh, il est horrible celui-là en plus. Ils ont tous muté. Oh, une canisse de soin. S'il est là, ouais, vas-y, viens, on ouvre. Connard. Voilà, c'est chaud. J'ai spammé, du coup il m'en a donné plein. Je crois qu'il a peut-être utilisé le truc de soin aussi. Non, j'ai juste vu que j'ai appuyé plein de fois sur le bouton pour avoir le. Pour utiliser le soin, il m'a comptabilisé tous ceux que j'ai utilisés. Recherche de partenaire, on va croiser quelqu'un. Qui est-ce? Ah. Ils sont en vie. Encore? Ils ont disparu il y a 6 mois en Edonie. Ça, on était en Edonie. Ah non, peut-être pas nous. Monsieur Redfield,
un poil raciste. Capitaine, ici Marco. Ils ont envoyé un hélico blindé. Oublions les armes traditionnelles. On doit protéger ces deux-là en bas. Que dois-je faire? Laissez tomber l'hélico. Tirez sur le Jabo. Ah, c'est presque fini. J'avoue que là, je suis pas mécontent que le jeu me dise de ce que je devrais faire. Parce que je t'avoue que ça n'avait pas dit. J'étais un peu trop. Je
dessus aux pompes. J'ai vidé mon chargeur et ça n'a rien fait. C'est quoi ça, hitbox? Voilà. Ce serait trop facile. Allez, continuez. Capitaine, on devrait escorter ces deux-là. Ils ont aucune chance tout seuls. Allez. On fait sauter la porte. Attention. Bien sûr. Intéressant. Leurs jambes ressemblent à celles des sauterelles. Peu importe ce qu'ils sont. Tant qu'ils périssent quand on les tue. Effectivement aussi. Je suis d'accord. Bon, y'a rien là. C'est pas assez clair. Oh, nouvelle arme. Putain, le coup est revenu. Quelle était-ce? Une lance-grenade. J'ai trois modes. Comment j'alterne? L'hélico est revenu finir le boulot. Jugez, répondez. Ici Alpha, l'hélico nous a en ligne de mire. Écoutez tous, descendez cet hélico une fois pour toutes. Comment je fais pour changer les balles de l'hélico, Bien sûr. Comme ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça vise? Ah! Mais... Ah, j'en ai pas des autres, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas. J'ai trouvé le bouton, j'ai vu l'option, mais j'ai pas des autres munitions, du coup c'est pour ça qu'il peut pas me laisser le faire. Alors je dois tirer où moi maintenant sur cette merde? Je tire dessus, c'est bon? Thank you.
base beaucoup de temps sur ces phases de gameplay. Sur des phases de gameplay avec Chris. Pas super. C'est bon, fallait juste tirer dessus. Il n'y avait pas de zone précise. J'imagine. Enfin, quoi qu'il y a peut-être des zones précises qui réduisent le nombre de balles nécessaire. Ok, on est good. Est d'éliminer les armes biologiques. Les néo Umbrella les pourchassent. Je le répète, notre mission est d'éliminer les armes biologiques. Typiquement, Ada s'en est une en plus. Je vais m'en prendre à cette arme biologique. Bah, tu sais probablement pas, mais... Ada ne s'en tirera pas comme ça. Ah, capitaine, s'il vous plaît, réfléchissez à un plan. Beaucoup de soins. Équipe Alpha accusée. On pense qu'il a cible. C'est de casser la gueule. C'est bon, elle est revenue. Dans la baraque à part ça. Ah. Merci. Oh, ça c'est la suite. Ça, ah, ça s'amène dehors. Ouais, c'est de là que je suis. Non, ça c'est la cuisine, connard. Ah, c'est le serpent. Ça c'est la cible. Ah, c'est ça qui cible. Pourquoi il se montre pas? Parce que c'est à son avantage de pas se montrer, c'est un animal. Enfin, ouais, il se montre pas comme un animal en tout cas. Ah. Ok. Je sais pas trop pourquoi j'avais la vision bloquée comme ça, mais d'accord. Ou quoi? Ce sont mes hommes. Suivez mes ordres ou je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. Vous entendez ce que vous dites? Obéissez, soldats.
entendu ? On y va ! Comment on pourra buter cette chose si on ne la voit même pas ? Fermez-la et avancez ! Ah, cul-de-sac. C'était de l'autre côté qu'il fallait aller. Ah, un gros rat. Je tourne en rond. Je suis paumé. Allez, où du coup, là ? Ah, de l'autre côté. Je comprends pas. Il y avait une cage d'escalier, je pense. Ah, voilà, comme ça. Ah, il est là, notre ami, notre collègue. Keaton ! Non, pas toi ! Bah, si, du coup. Nice. Ce qui est sympa, c'est que ça me force à mettre le menu pause, enfin le menu select, select. Mais du coup, ça arrête pas le jeu pour autant, ça, ce menu-là. Ah. La porte défoncée, elle était là. Je croyais qu'elle était contre le mur. Bon sang, elle n'est pas là non plus. On va tous les perdre un à un. C'est sûr. Venez m'aider. J'y vais. Tout le monde au rapport. Merci Pierce, je suis au deuxième. Capitaine, je ne trouve pas Jeff. Il est parti. Marco, calmez-vous. Où êtes-vous? Au premier étage. Oh merde. Je crois que cette chose est là. La cible est au premier étage. Allez-y tous, et vite. C'est lui qui crie. J'arrive, mon vieux. Tiens bon. Marco, ne bougez pas. Gardez la position, vous entendez? C'est un ordre. Ah, Pierce. Bien sûr. Pierce Marajan. Putain, mais il va être chiant, ce gars. Bon, on va trouver cette saloperie et on va la buter, s'entraîner. Bien sûr. Où est-ce que tu te caches, saloperie ? Tirer dans la bouche.
Ah putain. Comment l'abattre? A tuer mes hommes! Voilà, il faudra le suivre là-dedans. Il est parti par là, capitaine! Checkpoint. J'aimerais bien terminer de l'affronter avant une possible fin de live. Je crois que je vais m'arrêter. Ah, c'était normal. J'en ai plus soin là. Cette chose est là-dedans. Finissons-en vite. Merde.
D'accord, je recommence en anglais, je sais pas. Ah non, ok, il m'a juste knock. Snake. Qui veut le ? Merde. J'espère que je suis en juste avant, j'ai pas regardé en vrai. Nos armes lui font rien du tout. On va devoir trouver une autre solution. Il faut leur allumer les générateurs. Putain, mais laisse-moi pas. Laisse-moi marcher. Cours, connard. Monte. Mais quel emmerdeur. Sérieux. Casse-toi, le PNJ. Blague. Marco, rechargez ce truc. Je m'en occupe. Ah, génial. Ah ouais, faut que j'attende qu'il soit vraiment là en fait. Je recharge encore l'autre machin. Capitaine, allez-y! Ouais, non, je crois qu'il faut que je rebranche le fil à chaque fois. Non, c'est bon. Juste que j'attende qu'il soit là. Je vais attendre un autre coup. Désolé, Pierce. Capitaine, allez-y! Allez, là, c'est bon. Je décède, saloperie. Oui, enfin. On a réussi. On a cramé cet enfoiré. Oh. Oh mon dieu. Poursuivez Marco, Adaro. Ça va, Marco? Attends, quoi? Ouais, c'était sûrement... Putain, mais je sais qu'il est là. Ah, attends, c'est ça? C'est ça l'interaction? Ouais, il veut nous faire remonter. Oh, dommage, putain, je viens d'utiliser mes deux herbes vertes. Au moins, on l'a eu. Aucune trace de Adam. J'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas planté sa tête sur un pieu. C'est de la folie. C'est trop dangereux. On doit se replier. Capitaine. Ah. Voilà, voilà. Vous me cherchez, les gars. Bienvenue en Chine. Oh. Ada! Ah. Encore. Non! On n'a pas le choix, il faut le tuer! Oui. Il ferait pareil pour nous! Oh putain, non. Marco!
On est mort. On va recommencer avec toute la vie, c'est pas plus mal. Donner une meilleure chance d'abattre Marco. Marco! C'est pas ça qu'il faut tirer. C'est son bloc d'explosion. C'est 4. À nouveau perdu, quasiment toute ton équipe. Il doit pas être très très agréable. Le C4 de Marco. J'y vais. Gardez votre sang-froid. Après ce qu'elle nous a fait endurer, vous savez combien de nos hommes sont morts à cause d'elle ? Je suis avec vous, capitaine, mais votre vengeance personnelle ne nous mènera à rien. Si vous aviez gardé votre calme, ça nous aurait peut-être évité certaines morts. La ferme. Est-ce que notre mission compte encore à vos yeux ? La ferme ! Il y a tellement d'hommes qui sont morts alors qu'ils croyaient en vous ! Qu'est-ce qui est arrivé au légendaire Chris Redfield, hein? Où est-ce qu'il est passé? Heureusement que Finn n'est plus là pour voir ça. Wow. Je vais retrouver Ada. QG, ici Alpha Leader. Je dois localiser Ada Wong. Je viens avec vous. Quelqu'un doit veiller sur vous, que vous le vouliez ou non. Bon, je m'attendais presque à une fin de chapitre. Ça aurait été un peu court, par contre. Ici le QG, on a trouvé sa position. Ada Wong a quitté la ville et se dirige au sud, vers le port. QG à toutes les équipes, Ada Wong a été localisée. Elle se dirige au sud, vers le port. On la veut vivante. On la veut vivante? Ah bon? C'est pas ce que Chris veut, lui, en tout cas, ça c'est sûr. Si vous voulez me suivre partout, très bien. Mais vous mettez pas sur mon chemin. Tant que vous dépassez plus les bornes, tout se passera bien. Ada se joue de vous. Mais quand est-ce que vous allez le comprendre? Je suis pas assez stupide pour me faire avoir. Faites plus confiance à votre capitaine. D'accord.
Comment je passe? Ah, hein? Bah bien sûr. Mais il se transforme à la place de crever. S'il te plaît. Hot. Reprenez-vous! Cet hélico va bientôt nous tirer dessus! On est trop exposé ici! On doit trouver un abri! Bon sang! Dites-moi que je rêve! Parlez pas! Courez! Alpha à QG, on a un visuel sur Ada Wong. On la poursuit. Ici le QG. On a vu Ada Wong en train de descendre le canal. Équipe Charlie et Delta, formez un périmètre autour de Kucheng. Bon, on peut canarder cet hélico d'ici. J'étais pas en train de mourir. Enculé. Oh.
Oh mon dieu. Casse! Je sais pas combien de fois j'ai appuyé dessus. Ça marche toujours pas sur cette munition. Mais je peux pas lui tirer dessus. Quand il s'arrête, il canarde moi. J'ai pas le temps. Trouvons Ada. Bien reçu. Elle est là. Est-ce que c'est là qu'ils auraient mis au point le virus C ? Je crois que c'est le passage commun avec Léon. Ada ! C'est ça. Passage commun avec Léon. Elle vient de le voir. Ada vient de sortir du. Vous nous échappez. Du truc. Pas. Elle vient de parler à Léon. Alpha à QG, à vous. Nous poursuivons Ada Wong. Inutile de se cacher. Je vais essayer de terminer le chapitre quand même. Y a pas de caisse d'enfant. Il voit tellement rien. Ouais, exact. Regarde, ils sont là de l'autre côté. Courez jusqu'à l'ascenseur, vite! On n'est pas seul ici. Je suis très heureuse de vous voir. La nouvelle déco vous plaît? Je vous souhaite un excellent séjour. J'ai oublié comment on faisait. Hey, c'est ça, riez, Ada. Merde, il est parti. Ok, par les escaliers.
c'est quoi tout ce merdier? Restez sur vos gardes. Je sais pas ce que nous réserve ce truc. Aïe. On les voit sans vraiment les voir. Faut connaître les personnages pour bien les connaître en vrai. Mais ils ont mis un personnage connu avec un personnage de verrouillage en cours. Pour pas mal de prototypes. À l'exception d'Ada qui croise tout le monde. Ada ! Ici, nous avons mené une recherche vraiment passionnante. Super ! C'est génial ! C'est pas les tours de passe-passe qui vont nous arrêter. Mais ils me font chier. Je pense que je suis pas obligé de tous les détruire. Bref, détecté dans la sécurité de la salle 1. Je me cherche du verrou. Putain. Mais je viens de me faire tomber. C'est pas juste. Casse-toi. Donne-moi une chance. Ils font la même chose de l'autre côté. Allez, Pierre! Déverrouillage de la salle 1 en cours. Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Non, meurs pas! Comment ça? Quoi ça? Comment je sors de là, moi? Oh, mais fous-moi la paix! Oh, sérieux, c'est quoi cette emmerde? C'est trop chiant! Oh, mais... J'avais une mission quand il faut... Ça donne envie de jouer, hein, ce genre de truc. Ça donne vraiment envie de continuer. C'est fou. Comment j'ai envie de jouer là, ce jeu. Oh, c'est mort. C'est fou. Non, meurs pas. Pas ouvrir la porte, là. Pas s'en aller. J'en ai plein le cul de cette salle.
pas, j'essaie de truc. Ça me fatigue, je viens de me relever, je me fais tomber encore. Y en a à l'infini, je fais quoi? Oh, fais chier! Mais vas-y! Je sors comment? C'est pas intuitif du tout. C'est quoi la putain de solution? Chaque fois qu'il y en a une qui explose, il y en a une autre qui sort. Allez, c'est bien. Putain. Je viens de me lever. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je gaspille toutes mes munitions sur une phase de con. C'est super chiant. Passe-moi cette merde, qu'on en finisse. Non. Oh, j'ai plus rien. Vas-y, c'est bon, j'en ai ma claque, je me casse, j'en ai plein le cul. Non, je veux me barrer. Putain, connasse. T'es une merde. Je merde. Quoi, tout ce merdier? Restez sur vos gardes. On sait pas ce que nous réserve ce truc.
on est piégé. Verrouillage en cours. Test des prototypes. Ada ! Ici, nous avons mené des recherches vraiment fascinantes. Est-ce que ça vous dirait de rencontrer un de nos nouveaux prototypes ? C'est pas des tours de passe-passe qui vont nous arrêter. Je me charge du verrou. Dedans. Et ça tient encore. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. En avant, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Quelqu'un de vous le travail est fait passé. Connerie. Laissez tomber, Ada, c'est fini! Oh, le grand méchant soldat va me tirer dessus. C'était amusant. Ada! Ne la perdez pas! Ok! Que le chapitre finit. J'ai trop ragé, j'ai perdu patience. Ça vaut pas la peine de continuer. Je crois que ça va juste empirer. Important, on a besoin d'elle. Un témoin ? C'est elle qui a causé tout ça ! Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle ! Et moi j'ai perdu 70 000 personnes, dont le président, à cause de Simmons. Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme ? Stop! Elle
cache bien, hein, ces gadgets. Il doit avoir de sacrées poches sur son... Il va la tuer. Chris, attends. On veut tous les deux la même chose. Ok. Le BSA se charge de Ada. Occupe-toi, Timmons. Chris! Je sais que tu feras ce qu'il faut. Il avait pas dit le bon choix. Enfin, elle a pas chié sur la caisse qu'elle a volée. Montez! Très bien. Encore? Vous disiez à propos de mon côté. C'était vrai. Capitaine! Vous la rattraperez. Je ne m'arrêterai pas avant. Militaire au sud. Il faut que tout le personnel soit en alerte. Alors. Vous en faites pas. On s'en occupe. Comme je l'ai dit, je m'arrête ici parce que j'ai trop ragé tout à l'heure. Ça vaut mieux que je fasse une pause plutôt que je laisse ça empirer. Donc, j'ai quasiment fait 3 heures de toute façon. On reprendra ce chapitre 3 et les deux derniers dans un prochain stream. J'essaierai encore une fois de compléter à ce moment-là. On verra quand, je sais pas. Peut-être dimanche ou lundi. On verra. D'ici là, portez-vous bien. Et merci à ceux qui sont passés et qui auront regardé ce rediff. Ciao!